Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Les amis, avant que la vidéo commence, je vous invite à tous vous abonner. Comme je vous le dis tout le temps, c'est méga ultra important. Ça fait plaisir, on a réussi à baisser de 5% les personnes non abonnées qui regardent la chaîne YouTube. Donc, aidez-moi à baisser ce score, s'il vous plaît, les amis. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, c'est grâce à vous que cette chaîne évolue au fil du temps et que d'autres contenus arrivent. J'essaie de préparer d'autres choses qui arrivent encore sur la chaîne YouTube. Mais je compte sur vous, les amis, pour vous abonner, voilà, pour continuer ce genre de vidéos, ce genre de tutos sur Star Citizen. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront. Et je vous rappelle que c'est grâce à vous qu'on avance. Donc, ça prend quelques secondes. Abonnez-vous, c'est gratuit, les amis. Par la même occasion, ça me permet de vous dire que le Discord communautaire, les amis, est ouvert dans la description. Il y a le Discord, le lien du Discord. Donc, tout le monde peut le rejoindre. C'est voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais on essaie de créer une petite communauté autour du multigaming et. Bah voilà, avec vous ce sera encore mieux les amis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme je le dis, il est vraiment ouvert à tout le monde, que vous soyez avec des amis, que vous soyez solo, que vous soyez en groupe, peu importe, voilà, on vous accueillera les bras ouverts. Le deuxième Discord les amis, c'est le Discord de la corporation. Donc le Discord de la corporation c'est un peu plus privé, on va dire entre guillemets, parce que c'est seuls les membres de la corpo qui pourront rejoindre... ce Discord, mais il y a une petite parenthèse parce que en fait les civils maintenant ont un petit accès à certains channels. Voilà, on a, comme je vous avais dit, il est en refont et du coup là il a été refont, donc les civils ont accès à certains channels, donc les channels aux civils. Donc si entre civils ils veulent s'entraider, si vous voulez avoir des entraides, enfin aider des gens sans forcément aucune attente, ou même sans devoir quitter votre corpo, ou même sans devoir rejoindre le corpo, bah vous pourrez, parce qu'il y aura des civils qui seront là. Donc il y aura même des channels vocaux pour les civils. Et tous ceux qui veulent de toute façon rentrer dans la DG Team passeront par le grade civil, forcément, pour que vous voyez quelque chose sur Discord, pour après pouvoir être recruté. Mais voilà, en tout cas, maintenant, vous avez des nouveaux trucs, vous avez les civils, donc tous ceux qui jouent à Star Citizen peuvent rejoindre le Discord de la corporation. Ça vous aidera certainement à l'avenir, même si vous ne voulez pas rejoindre le corpo, au moins, vous avez un endroit où vous posez et avoir de l'aide au cas où. Petite dernière chose, les amis, mon code de parrainage, du coup, pour tous les nouveaux comptes et récits, tous ceux qui créent leur compte, vous mettez un code de parrainage, donc je vous ai mis le lien dans la description. Voilà, un grand merci à tous ceux qui le feront, parce que ça m'aide, moi, pour évoluer sur Star Citizen, mais vous aussi, ça vous aidera, parce que ça vous donne 5000 AUEC en plus de ce que vous avez dès que vous arrivez dans le jeu. Donc, à chaque mise à jour, si vous arrivez à 50 000, et ben, vous aurez 55 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous, c'est pas grand-chose, peut-être, mais je vous assure que par les temps qui courent, c'est très, 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 très important. Donc, les amis, on commence cette vidéo. Du coup, nous voici devant ce qu'on appelle un comarel. Donc, un satellite de communication. Donc, les satellites de communication, vous en trouverez sur toutes les planètes. On va dire, c'est le mouchard du verse de chaque planète. Planète, pardon. Comme vous voyez, là, on en voit un ici, c'est pour Microtech. Si je vais sur Calliope, normalement, il y en a un. Si je vais sur Clio, normalement, il y en a un. Et ainsi de suite. Ether aussi, il y en aura un. Toutes les planètes en ont un. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet à l'UE en fait, de vous surveiller, savoir si vous faites des crimes ou autre. Donc, à savoir que si vous faites des crimes, bah, c'est ça qui... En fait, si vous voyez le petit œil en haut à gauche, là, et bah, ça veut dire que vous êtes surveillé par l'UE via ses satellites. Donc forcément, il y a toujours une solution, par exemple, pour les désactiver. Donc pour les désactiver, moi j'ai décidé de faire une petite strat un peu bizarre, là. J'avais envie de changer un petit peu, parce que d'habitude on se met sous les panneaux solaires et tout dans le genre. Là, pour une fois, j'ai envie de vous faire voir autre chose, j'ai envie de changer. Donc à savoir que il vous faut impérativement ces cartes. Donc, les Tiger Claw, c'est sûr que ça. Enfin bref, c'est une carte. Le nom, je ne sais pas sûr, parce que Tiger Claw, pour moi, c'était une arme. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ces cartes. Donc, je vous laisse avec le NLJ du passé qui va vous expliquer où les acheter. Et bien, merci au NLJ du présent. Donc, les amis, je vous récupère avec moi pour vous expliquer où on peut acheter ces cartes pour désactiver des comarets ou pour faire certaines missions dans les bunkers. Simplement à Microtech, donc à Microtech New Babbage. Quand vous êtes à New Babbage, c'est pas compliqué. Vous prenez la trame qui vous emmène au com, donc là où il y a tous les magasins, et vous prenez le petit escalier en forme de colimaçon juste ici.
voilà, qui vous emmène bien entendu en bas. Hein. Vous arrivez de juste là-bas, vous voyez Planète Service et Shopping Interstellar. Hop, donc vous descendez. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est où, c'est quoi, c'est comment? Et bah, c'est pas compliqué, c'est juste là. Voilà, c'est 999 la carte. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et en prendre quelques-unes et pourquoi pas les stocker dans votre base ou votre base, entre guillemets, votre hangar. Et voilà, comme ça, maintenant, vous savez où les acheter. Du coup, je repasse la main au NJ du présent. A plus, les amis! Donc voilà, merci à NJ86 du passé. Ça fait extrêmement plaisir que tu nous aies expliqué ça. Donc, on va utiliser du coup ces cartes pour désactiver le comarret. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu un petit overborn pour aller sur le satellite. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, autant faire un petit truc fun. Hein, on prend le petit quad et on va aller là-bas. Voilà. Et let's go. Donc normalement... On est à fond en fait, là d'accord. Donc ça va assez vite, hein, je vous rassure. Soit il y a un monsieur qui nous attend à l'intérieur. Ah, vu comment il s'est fait défoncer. Non. Lui, il était là. Ah, mais c'est pas un flic, ça. Ah, quoi que non. Je pense que c'est un mec qui s'est fait désinguer. Du coup, de toute façon, on n'est pas là pour se taper. Hein, on est là pour désactiver le cambrai. Hop. What? Je viens de passer à travers le comarret. Super. Du coup. Merci, l'autre côté. Oh le con. Donc, tac. Donc, vous vous déplacez, du coup, à l'intérieur du comarret. Donc là, vous voyez très bien que il. Alors. Autorisation, clé d'accès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la clé dans la main. Voilà. Insérer. Voilà. Donc là, forcément, ça va mettre du temps à désactiver. Donc je vous mets ça en accéléré, les amis. Faites pas comme moi je suis venu sans armes, hein, donc ne faites surtout pas comme moi, venez avec un minimum d'armes. Moi j'étais encore en train de faire du ménage il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je n'ai pas changé d'armure du coup, parce que hein, je suis quelqu'un de serein par rapport à ça. Donc là, hop, du coup le comarret va être désactivé. Voilà, donc l'intérêt, alors connecter la liaison, déconnexion. Hop. Donc là, je n'ai pas désactivé, hein, pour le test, hein, mais quand vous appuyez sur déconnexion, enfin sur. Prendre la deuxième clé et vous le montrer.
vous savez quoi? Hop, je vais le faire et je vous retrouve dès que j'y suis. Donc les amis, nous revoici du coup au moment où il faut cliquer ici. Voilà. Hop. Donc on voit bien que tout est désactivé. Il dit Power, Mananimi Queen. Enfin bref, vous avez compris. Je suis pas très bon en anglais. Désolé les amis. Donc, hop. Donc là, je crois que pour reconnecter, on n'a pas besoin de clé du coup. Il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que la reconnexion, c'est juste appuyer sur un bouton et ça se reconnecte. Du coup, les amis, on se retrouve à la fin de la barre. Les amis, nous voici du coup sur la fin. La fin de la reconnexion, normalement qui devrait déjà être finie. Peut-être que le serveur a un petit peu du mal. Mais en tout cas, les lumières vont se réactiver. Voilà. Du coup, normalement, le camaret va se réactiver. Vu qu'il est vert, hein, comme vous voyez là. C'est bizarre que l'œil ce n'est toujours pas remis. Ah, c'est peut-être pour ça. Il faut une clé pour le réactiver. Mais du coup, voilà, vous savez comment réactiver un camaret. Donc là, on voit bien qu'il est vert. Hein. Normalement, il faut la clé avec. Attendez, je suis rentré par là, moi. Parce que je vais vite sortir. Je suis quand même en intrusion, j'ai pas la mission. Comme par hasard, je suis rentré du mauvais côté. Je suis sorti du mauvais côté, ça me dégoûte. Donc voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme je vous l'ai déjà dit très très important. Lâchez vos petits coms, un petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos sur Star Citizen que je pourrais vous faire, les amis, si vous avez besoin, je sais pas, d'avoir des renseignements sur certaines choses, bien n'hésitez pas à utiliser les Discord pour ça. Et par la même occasion, si je peux en faire une vidéo, ça me fera extrêmement plaisir de la faire pour vous. Donc voilà, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.